Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir pour faire un bonnet capuche avec de la laine assez épaisse, donc avec un petit revers. Et le tour de cou, deux en un coup. Donc, avec deux petites oreilles en velours, avec un beau petit point. Donc, j'ai pris de la laine assez épaisse. C'est de la laine... attendez. Excusez-moi, je ne l'avais pas préparée. C'est de la laine assez épaisse, un peu bariolée. Vous la trouverez facilement. Et comme j'ai plus l'étiquette, il faut que vous preniez de la laine qui se tricote avec du sac ou jusque 8, 5 et 8. Donc moi j'ai pris du sac parce qu'après ça frit trop lâche. Donc c'est pour à partir de 3 mois jusque 6 mois ou plus, ça dépend l'enfant. De toute façon c'est assez, ça se met longtemps. Donc j'ai pris un crochet sac. Pelote, il vous faut 100 grammes à peu près. Un peu de laine en velours pour faire les oreilles. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Donc, moi j'ai pris cette laine-là, mais je vais vous montrer avec une autre laine. Parce que si je prends celle-ci, vous n'allez rien voir du tout. Ou que je pique, ça va mal. Donc, moi je vais faire un échantillon et vous allez me monter 27 mailles. Donc, je vais prendre le bonnet, je vais vous le montrer, comme ceci. Là, on défait le rebord. Ici, il faudra 18 cm, la largeur, jusque 21 cm, ça fait la hauteur. Comme ceci, après qu'on peut le replier. En tout, il a 21 cm, 23 tours pour la hauteur, 23 tours. Donc, je vais vous montrer. Vous allez monter 27 mailles. Donc, on fait le tour, deux tours du doigt. Vous prenez le premier brin de laine, vous prenez le deuxième, vous ramenez une boucle et voilà le nœud. Je vous laisse monter la chaînette de 27 tours. À tout de suite. 27 tours, mailles, pardon. Voici, moi j'ai monté un petit échantillon, vous avez 27 mailles. Donc le premier tour, je vais... un peu zoomé. Voilà. Voilà. Donc le premier tour, on va faire des brides. Vous passez une maille, vous allez dans la deuxième. Vous piquez. Vous ramenez une boucle. Vous faites un jeté. Vous prenez deux mailles. Un jeté, deux mailles. Et vous faites tout le tour en bride. On va dans chaque maille et on fait une bride. On se rejoint à la fin du rang. À tout de suite. Voici, le premier tour est fait. Donc, on fait deux mailles en l'air. Et ici, on va faire des brides. Mais au lieu de piquer dans chaque maille comme ceci, vous voyez, il y a deux brins de laine. Une, deux. Vous allez piquer le brin côté table, le brin du fond. Alors, vous allez faire votre bride. Pareil à côté, vous voyez.
une, deux, vous piquez, vous prenez qu'un seul brin de laine et vous faites votre bride. Et vous allez continuer toutes les mailles. Vous voyez, ça fait un petit V, vous piquez. Ici, et vous continuez jusqu'au bout. Vous allez voir, ça va faire un petit dessin. Je vous laisse faire le rang et on se revoit après. À tout de suite. Voici, le rang est fait. Vous voyez, on commence à voir un peu. Donc, vous allez continuer à faire deux mailles en l'air et bride comme on vient de faire en prenant qu'un seul brin de laine. Vous piquez, vous prenez qu'un seul brin de laine et vous faites votre bride. Voilà ici. Voici. Allez. Et vous allez faire 23 tours comme ceci. Toujours en prenant le brin de laine arrière. Et vous allez voir que ça va faire un petit dessin. Je vous laisse faire les 23 tours et on se rejoint pour coudre la capuche. À tout de suite. Voici, quand vous avez fini les 23 tours, vous pliez comme ceci la capuche. On fait un petit nœud ici pour arrêter. Voilà, donc c'est simple, vous pliez la capuche, vous voyez, comme ceci, et on va coudre ici, à droite. Donc, je commence ici, on prend les deux mailles. Comme ceci, on va rassembler la maille ici avec cette maille ici. Donc vous allez faire maille par maille, bien serré, comme ceci, et aller jusque la pointe ici. Et on se retrouve après. Voici, vous avez cousu la capuche, vous la retournez. Voyez, la couture ira derrière. Donc nous maintenant, on va l'ouvrir, voyez, et on va faire un tour de laine en velours blanc et on va faire le tour en maille serrée ici, vraiment tout le tour. Voyez. Comme ceci, je vous montre qu'est-ce que ça va donner pour vous. Vous êtes ici, on va faire le tour ici de la capuche en velours. Ce sera pareil en velours pour les oreilles. Donc pour cela, vous prenez la laine. Vous piquez à une extrémité, peu importe laquelle. Un petit fil que je vais rentrer, coupe, voilà, vous piquez le crochet dans une extrémité de la capuche, vous prenez la laine blanche, avec le crochet vous la ramenez dans la boucle verte, le bonnet, vous avez une boucle, donc vous faites une maille en l'air, tout en tenant le petit morceau blanc. Vous piquez dans une maille à côté, vous ramenez une boucle, un jeté, et vous tirez la jetée dans les deux boucles. On recommence, on pique dans une maille, on ramène une boucle, un jeté, et on tire la jetée dans les deux boucles, c'est-à-dire une maille serrée. Et vous voyez, je rentre le petit bout à fait. On va dans une maille à côté et on refait une maille serrée. Voilà. Donc,
vous allez faire une maille serrée, tout le tour comme je vous ai dit, et vous allez revenir là, ici. On se rejoint ici pour la fermeture. Vous faites tout le tour en velours blanc. À tout de suite. Voici, j'ai fait le tour de la capuche en velours. Le tour blanc en velours, vous voyez la couture est toujours là. Voilà, maintenant on va fermer cette capuche avec une maille coulée. Donc ici j'ai pas été jusque la fin, faut vraiment aller jusque la fin. On pique. Vraiment la maille serrée, on va jusque le bout. Et on rassemble les deux bouts. On pique dans l'autre bout et on fait un jeté et on passe dans les deux boucles. Voilà, la capuche est fermée. Donc après, cela fera ça. Vous l'avez en plus grand, bien sûr, et avec la colorie différente. Donc, maintenant, on prend la boucle. On va travailler le cou, ici. Vous voyez, la couture est là, donc là c'est le devant, on va travailler en dessous. On fait ceci, on fait deux mailles en l'air, et on va faire un rang de velours blanc. Vous allez refaire une bride dans la même maille, on va faire des motifs de deux brides. On va couper un petit peu le vert ici. Donc, vous faites un jeté, vous sautez une maille et vous allez dans la suivante refaire deux brides. Une, deux. Comme ceci. Vous sautez une maille, vous allez dans la deuxième faire deux brides, une, deux, vous faites tout le tour comme ceci et on se rejoint ici. À tout de suite. Voici la ligne blanche. Et faite, on la ferme par une maille coulée dans les deux mailles en l'air du début. On pique, on ramène une boucle et cette boucle on la met dans la boucle du crochet. Le premier rang est fait. Maintenant, on coupe, on change de laine, on prend la bleue, on la met dans la blanche. Vous tenez les deux petits bouts. On va travailler avec la nouvelle laine. Vous faites deux mailles en l'air. Et vous voyez l'arceau, il est tout de suite ici, ou qui a mon doigt. Vous allez faire deux brides dans l'arceau. Ou que ça fait un petit V. Une, avec les deux mailles en l'air, ça compte pour une bride. Vous allez dans l'arceau à côté, vous voyez, pas celui-ci, mais là, où ça fait un petit V. Vous piquez dedans et vous refaites, comme le premier tour, deux brides dans le même arceau. Je vais en refaire deux pour vous montrer ce que ça donne. Une. Deux. Voilà. Vous allez faire tout le tour, fermé par une maille coulée, et faire quatre tours de cette laine-là. Et on se rejoint après. À tout de suite. Voici. Quand vous avez fini, vous allez avoir ceci. Le tour du cou. Voilà. Maintenant, moi j'ai fait un petit revers. On va s'occuper
des deux oreilles ici. Vous allez voir, c'est facile. Donc, cette fois-ci, pour les oreilles, on prend un crochet d'une taille en dessous. Moi, j'ai pris un 4. On prend la même laine en velours. Vous allez faire un cercle magique, deux tours de doigts. Prendre la première. On prend la laine ici en premier. On va chercher la deuxième. Ça va un peu mal avec le fin crochet, mais on y arrive. Donc, ici, vous avez un cercle magique. Vous tenez le petit bout. Vous faites une maille serrée. Vous serrez le petit bout. Et dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Donc, vous voyez, vous piquez. Vous faites une maille serrée. Vous resserrez un peu le cercle de temps en temps. Vous refaites une maille serrée dans le cercle, ça fait 2. Il faut en faire 6. 2, 3. Je resserre. 4. 5. Et 6. Vous serrez le petit bout, comme ceci, bien serré, et on va fermer ce cercle par une maille coulée. Vous allez dans la première qu'on a faite, faites un jeté et vous passez en dessous une maille coulée. Donc le premier tour est fait, bien serré. On va passer au deuxième tour. 2 plus 2. Donc, une maille en l'air. Dans la même maille, on refait une maille serrée. Et dans chaque maille, vous allez faire 2 mailles serrées. Une. Et le deuxième dans le même trou. 2. Ceci pour élargir le cercle. Vous allez la maille à côté, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. On continue dans la maille suivante. 2 mailles ensemble. Continue. 2 mailles dans le même trou. On arrive à la fin. On va vraiment jusqu'au bout. 1, 2 mailles dans le même trou. Voilà, on est à la fin. Vous faites tout simplement une maille coulée pour fermer le tour. Donc on pique dans la maille du début, où on a commencé, et on fait une maille coulée. Voilà, le deuxième tour est fait. Il faut continuer. Maintenant, sans augmentation, une maille serrée et vous allez tourner sans augmentation, tout simplement en faisant une maille serrée dans chaque maille. Vous voyez ? Et là, continuez, 4 cm, un peu moins. Donc, vous tournez, vous fermez par une maille coulée, vous tournez. Vous refaites et vous mesurez à 4 cm, on arrête. Je vous laisse faire. Voyez, c'est facile. J'espère que vous comprenez bien. Et on se revoit après. À tout de suite. Voici, quand vous avez 4 cm, voyez, ça fait comme un petit bonnet. Vous retournez. Vous serrez le petit bout. Vous y faites un point avec l'aiguille. On coupe le fil et on ferme par une maille coulée. Voici. Et maintenant, comment placer les oreilles? Je reprends mon aiguille.
je l'enfile. C'est pas facile avec du velours, mais j'aurais dû prendre une plus grosse aiguille. Voilà. Donc, je prends le bonnet et je vous montre. Voici l'oreille, la petite oreille qu'on vient de faire. Voilà, vous avez votre bonnet comme ceci. Vous voyez, on voit les petits dessins. Ici, c'est le milieu. Donc, vous comptez une rangée. Le milieu, une rangée à côté, vous allez à partir de celle du milieu, à côté, et ici, 1, 2, 3. Vous mettez la partie de l'oreille ici, à la troisième. Donc, et vous comptez à peu près ici, à la pointe, et où qu'on va mettre les oreilles, vous comptez centimètres, et ici entre deux 4 centimètres. Donc vous prenez l'oreille comme ceci, vous la posez bien et vous la cousez avec le bonnet avec des petits points très serrés. Et ça va tenir, car comme on a pris un crochet plus petit, les oreilles vont être rigides. Vous voyez, elles restent bien debout. Donc vous cousez comme ça, 1, 2, 3, il y a 4 cm d'équerre ici. Et vous la cousez comme ça, et l'autre à côté. Je vais la défaire. C'était pour vous montrer. Oh. Hop. Voici, une fois fini, ça fait ça. Vous voyez, c'est pas difficile, la ligne du milieu. À partir de la troisième, vous posez l'oreille, vous cousez comme ça, vers la droite. Ici, c'est pareil, et vers la droite. Donc, voilà. J'espère que vous avez compris. Sans quoi, n'hésitez pas à me mettre un com. Donc, je débarrasse un peu. Et je vous dis que le tuto est fini. Vous voyez, je l'installe comme ceci. Voici, après vous faites le revers de 3 cm comme ceci. Vous voyez, ça fait ceci avec le bas, un bonnet bien chaud. Ben voilà, le tuto est fini. J'espère qu'il vous aura bien plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, des coms, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. À bientôt.